Starts with
Bonsoir et bienvenue à tous dans ce live consacré à Assassin's Creed Valhalla. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été sur Valhalla. Je vous le disais tout à l'heure dans le journal, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a une mise à jour qui vient d'arriver aujourd'hui, qui rajoute certaines aptitudes et certaines compétences. Alors je suis pas sûr qu'au niveau où j'en suis, puisque moi j'ai pas fini le jeu, je prends mon temps, hein, vous le savez, puisque... on va pas avoir un autre Assassin's Creed avant un petit moment. En plus, vous aurez des infos juste après, puisque je ferai un breaking news, puisqu'il y a du nouveau sur la saison 2 de Valhalla. Et donc, du coup, je prends mon temps. Donc, on n'a pas terminé le jeu, tout ça. Donc, on va continuer où on en était. Voilà. En tout cas, merci à Gizmo d'être présent. Merci à Matt d'être présent. Gilet d'être présent à la modération, moi je charge vite fait mon profil de souris, et merci aux autres qui sont dans leur canapé ou qui sont confortablement installés mais qui ne sont pas dans le chat. J'espère que vous allez passer une bonne soirée en ma compagnie. Alors Valhalla, il est où? Tac tac tac, dans les V peut-être, voilà c'est ça, il est dans les V, donc on va appliquer le profil. Et on va donc démarrer. Il y en a qui l'ont déjà installé la mise à jour là de Valhalla, vous la trouvez comment? Youyou, bonsoir, le retour de Youyou avec qui normalement on devrait faire une émission prochainement. Je sais qu'il manque à certains d'entre vous, donc vous serez content de le retrouver. Bonsoir Tokyo Narita, bienvenue à toi. Donc on va passer en mode plein écran. Et la dernière fois, je crois que je vous avais montré les différents... le nouveau Drakkar, tout ça qu'il y avait eu, qui était arrivé. Attaque fluviale disponible, hein, me dit-on. Voilà, donc il y a les attaques fluviales qui viennent d'arriver. Alors... Il y a un cours d'eau à attaquer, on pourrait suivre la quête si on le souhaitait, mais on va pas faire ça. On ira un petit peu plus tard. Alors, on avait, nous, deux quêtes qu'on avait pris. On va faire le pèlerinage à Alban, chapitre 2. Et là, on est sur le chapitre 2 aussi. Bon, on va faire ça. Hop, on va aller jeter un œil. Montre-moi cette terre, mon... On va aller jeter un oeil sur la map, on va stepper au plus près.
Alors c'est où cette quête là? Pèlerinage machin chose. Hein. Pourquoi je ne la vois pas? Alors il attend à Linforda à la frontière est de Loxen. Ok, donc Loxen c'est où ça? Loxen machin chose. Qu'on grossisse peut-être un petit peu la map. Hein. Il y a tellement de temps que j'ai pas joué que j'ai complètement oublié. Voilà, Oxen, c'est ici. Ok, Oxendril, il attend à la frontière de Lindford machin. Alors, elle est où la frontière de Lindford machin? Voilà, ici, donc ça doit être là. Sur la rive nord. Ok, donc ça doit être ici. On va aller là. Vous l'avez tous fini, vous, Valhalla, j'imagine. Il va falloir qu'on s'active un petit peu aussi de mon côté, parce que comme il y a du nouveau contenu qui va arriver, bon, enfin bon, c'est du contenu, je ne vais pas dire anecdotique, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire, puisque les DLC arriveront comme prévu pour le premier qui se déroulera en Irlande cet été. Et je suis plus hypé, moi perso, pour celui de Paris que celui de l'Irlande, mais qui doit pas être mal, qui doit pas être mal non plus. Voilà, donc apparemment c'est ici Gedrich que ça m'a se demandé de passe. vous aider de mon mieux. Je voudrais. Non, je voudrais, hop, dans mon inventaire. Ça, hop, ça, hop. Ça, hop. Bon, ça, on va pas le cacher. Ça, je peux l'améliorer, ça. Ça, on va l'améliorer aussi. Alors, attends, il y en avait d'autres que je pouvais améliorer. Ça aussi. Ça, c'est la tenue qu'on avait récupérée, je crois, pendant le festival du Yule. Je vais remettre ma tenue de berserker quand même, c'est ce que je préfère. Que ça, je l'avais mis juste pour montrer un viewer qui voulait voir de quoi il en retournait-il. C'est celui-là. Et ma hache de berserker, voilà. Oula. Bon, lui, il a pris cher. Pas ce qu'ils ont, c'est lui d'un garçon, hein, mais... Pardon. Pardon, j'ai une canne de tout. Valentin, bonsoir. Pourquoi les esquives fonctionnent plus? Alors, faut que je me remette dans le bain parce qu'il y a vraiment il y a longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais bon, c'est comme le vélo, hein, un Assassin's Creed.
Oups. C'était le dernier ou il y en a d'autres hein? Non, bah il y en a plus, a priori. Ah si, affaiblir, voilà, il manque un truc, là, la barre verte n'est pas pleine. Alors par contre je vais aller voir parce qu'apparemment mon profil de souris s'est pas chargé correctement parce que sinon j'aurais les esquives. Frédéric, bonsoir, bienvenue à toi. Valentin, je ne sais plus si je t'ai, si je t'ai salué. Nous avons notre ami... Attendez une seconde, hop, je zoome parce que sinon je vois pas. Nous avons notre ami Killed Dadas qui dit j'ai renoncé à finir Valhalla, il m'a perdu en cours de route, beaucoup trop long. J'ai fini Odyssey Origins en 160 heures de moyenne et j'ai pas eu le courage. Bah écoute, il est long. Oui, il est long, mais en même temps, comme t'en as un qui sort tous les deux ans maintenant, bah quand t'es fan d'Assassin's Creed, voilà, prends ton temps, t'as deux ans pour le faire. Personne t'oblige à passer ta vie dessus et à renoncer aux autres jeux à côté. Hein. Moi, c'est ce que je fais, mais bon, ça me fait marrer. Ça le prend pas mal, hein, je dis pas ça méchamment, hein, mais ça me fait marrer les gens qui se plaignent qu'il y a trop de contenu sur les jeux. Alors qu'à une époque, ils gueulaient parce qu'ils payaient cher pour des jeux où la durée de vie était beaucoup moins courte. Bon, d'autant que t'es pas obligé de tout faire, hein, tu t'amuses juste à faire les... Les quêtes principales et tout va bien. Hein. Alors pourquoi la quête est pas terminée, je comprends pas. Alors attends, avec la mise à jour, il a dû me... Il y a des commandes qu'il a dû me changer. Ça c'est chiant quand il y a des mises à jour. Hein. Non, je veux pas ça, je veux modifier les touches. Hein. Personnaliser les commandes. Alors l'esquive, elle est où? À gauche, parcours, oh, lâcher, sprinter, marche. Il y a bien des esquives quand même, j'ai pas rêvé. Hein. On avait des esquives avant dans Valhalla, il n'y a plus d'esquives. Hein. Corbeau, caméra. Tac légère, assassiner, action, viser, tirer. Voilà, esquive, roulade. Hein. Ah bah voilà, c'est juste parce que j'avais changé ma touche. Hein. Je peux plus descendre de mon cheval non plus, c'est quoi ce bordel hein? Ah mais moi j'aime pas quand Ubisoft il change plein de trucs comme ça là. Vous aussi vous êtes embêté comme ça là avec la mise à jour, avec les touches à refaire le remapping. Tac 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 tac. Alors, reculer, parcours, haut, lâcher, sprinter, alors descendre du cheval, c'est où ça? Arrêter, champ suivant, ok, corbeau, machin, ok. Caméra, tout ça, combat, tac tac tac, écran de fumée, tirer, esquive roulade, verrouiller la cible, soin. Changer, ok, aptitude 1, aptitude 2, ça, ça n'a pas changé, interaction principale, machin, vision, action, ou des armes, torche, pêche, appeler monture. Unité, compétences, ça je m'en fous. Ah, je peux plus descendre de mon canasson, c'est quoi ce bordel? Bah il y a des nouvelles aptitudes. Ah voilà, c'est ok d'accord. Alors tu veux que je crame quelque chose peut-être, non? Pourquoi tu veux que je affaiblir l'empire machin? Là j'ai pas fini apparemment ici. Apparemment, il faut aller dans le puits, il y a un truc en bas.
Petit démarrage tranquille de ce live. J'aurais aimé que dans Valhalla, le RPG soit poussé. Bah oui, mais comme la majorité de la communauté, elle, n'a pas aimé, et que Ubisoft écoute la majorité pour que les gens restent plus longtemps sur le jeu, bah du coup, ils ont simplifié ça. En espérant que sur le prochain, le côté RPG soit au moins aussi poussé que sur Odyssey. Enfin moi en tout cas c'est ce que j'apprécierais. Bon, bah, là je vois pas ce qu'il veut que je fasse. Ça tu veux pas le péter, bon, bah, tant pis. Même pas à l'arc. Hein. Y'a quoi là-dedans? Y'a que dalle. Bon, bah écoute. Mais c'est bizarre parce que... J'ai pas complètement affaibli le coin. Qu'est-ce qu'il dit lui là? Quand même aller voir dans le bâtiment là, c'est quoi, y a des trucs. Là si tu pourras répondre à ma question un peu au-dessus si tu veux bien. Et alors, repose-moi ta question parce que je peux pas aller dans le chat, là je suis dans le jeu. S'il te plaît, mais oui, avec plaisir, bien sûr que je vais répondre à ta question. Je réponds à toutes tes questions. Faites attention d'ailleurs parce que. Je vous dis pas forcément ce que vous auriez envie d'entendre. Je pense que ça doit être lié à ça ici là. Il doit y avoir un truc à faire là-dedans. Bah non, pourtant j'ai récupéré. Un peu con à y voir ce soir. Un peu con, pardon. Je sais pas s'il y a un bug ou quoi, mais... Toi, t'es un pote à moi, on va pas te tuer quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai oublié ici? Il n'y a plus rien. On va pas passer la nuit ici, hein. Asgard, on me demande de trouver des traces de pas de chat et j'ai suivi tous les chats et je ne trouve pas. Ah bah alors là, je peux rien pour toi. Normalement, avec la vision d'Odin, tu devrais pouvoir voir des empreintes de chat quelque part. Et les suivre, normalement t'as toujours, on te dit à peu près hein, où les trouver. Et après c'est avec la vision d'Odin, normalement tu vois quand c'est des trucs comme ça, c'est des espèces de petits trucs verts, des espèces de petits cercles verts, et tu les suis quoi. Mais évidemment faut que tu sois au bon endroit. Alors donc du coup, bah maintenant on va faire ça. Celui-là il est pas fini apparemment. Hein. Il faut saper le pouvoir d'un nain en détruisant le ravitaillement, en attaquant les renforts et en protégeant le fer de deux machins. Bon bah là il n'y avait pas de... Il
a rien à détruire là, il n'y a pas de... Il y a rien à brûler, rien à détruire hein, là. Vous avez vu quelque chose vous? Peut-être tout en haut là-haut. Non, non, ne tombe pas. Voilà, on revient où on était tout à l'heure, mais que dalle ici. Hein. Pas parce que la barre elle montait que quand je tuais les renforts donc bizarre tac 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 alors la suite c'est où il attend à Linforda à la frontière est de machin donc c'est ici mais à l'est par ici Linforda c'est où sur la rive nord, doit être. Bon bah c'est là où j'étais, donc c'est pas la bonne quête. Bon. Faut saper le pouvoir de ravitaillement. Bah c'est toujours dans le coin. Apparemment. Je vois pas le. Ici, l'entrée de Wayne sur ça. On va aller péter tout ce qu'il y a dans le coin. Hein. Bonsoir Cédric, bienvenue à toi. Alors si vous avez une idée d'où vient le problème, n'hésitez pas à me filer un coup de main là, sur ce délire-là là, qui... Ah, là-haut il y a des trucs en vert, donc c'est en rapport avec la quête. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Pourquoi je bougerais ça? Ok, on verra ça plus tard. Ça c'est quoi? Ok,
qu'est-ce qu'il est beau ce jeu quand même. Et le parcours est vraiment réussi, hein, je trouve. Alors, il est porté à la connaissance de tous que l'homme qui exerce la l'homme qui exerce le sacerdoce de prêtre consacré à Oxenforda sous le nom de Paul est dorénavant exclu de l'église pour avoir propagé des permissieux blasphèmes et hérésie, je sais pas quoi, et hérésie, puisse le pardon lui être refusé jusqu'au dernier jour. Entrée du journal. Fulk m'a confié une très étrange relique, une pierre gravée d'inscriptions curieuses et étrangères. J'ai jeûné et prié afin de tenter d'en appréhender le sens, mais en vain. Ces deux trucs là ici. Sois pas en feu. Ce qu'il faut à Blet. Salut Homéopathix, bienvenue à toi. Oh, lui il est moins loin, on va aller là-bas. Des petits freeze, hein, la mise à jour a rien changé de ce côté là en tout cas, parce qu'il y avait des corrections de, évidemment de bugs au delà de ce que je vous annonçais tout à l'heure dans le journal. Tueur de biche. Ici, y a rien. Ah si, y a un trésor pas loin. Hein. C'est là qu'on venait, de toute façon. Là, il y a les petits champignons, j'aime bien les petits champignons. Ah,
Ah, saleté de serpent n'a... t'aime pas. Alors, prie le Christ pour avoir le pardon, mais pour la valeur au combat, tourne-toi vers les anciens dieux, sacrifie à Camulus, le dieu aux cornes de bélier, ta bravoure surpassera celle des plus hardis. Connais pas ce truc Camulus, la machin truc nuche. Hein. Il y avait un truc là, il y a deux secondes. Là. Il est où c'est un serpent là. Ah, il est là. On va passer de l'autre côté, on s'en fout les serpents. Là, il y a un mystère à 500 mètres, on va se le faire au passage. Ouais, moi, je prends vraiment mon temps. Hein. Ce serait dommage de passer à côté de tout ça, tu vois, même si tu passes 300, 400 heures, on s'en fout. Exterminateur de moutons. Je suis trop vieux. C'est bien trop long. On est tous trop vieux, hein, ça. Tu as des ennuis, paysan ? Rose ? C'est toi ? Mais oui ! Ma fille, mon enfant ! Je n'en reviens pas. Tu m'as l'air un peu perdu. J'étais si impatient de te parler à nouveau. Mais de ma vie, je ne t'ai jamais... Si, c'est moi qui l'ai masqué. Rose, Rose, ne te moque pas de ton père et de ses yeux embrumés. Très bien. Alors, c'est un plaisir de te revoir. Et moi, je suis heureux de t'avoir à mes côtés, Rose. Mais je suis épuisé. Je n'arrive pas à mettre ces caisses à l'abri. Quelle caisse ? C'est quoi ton problème ? Ah, tes caisses là ? Oui, Rose, juste là. Tu as toujours été très maligne. Mais les autres à côté aussi. Et le pauvre, il a perdu sa fille, ça l'a rendu un peu... Rose, pas bien dans sa tête à lui. On dirait que tu as pris des forces. J'aime bien le chien, il nous suit, c'est comme s'il nous connaissait aussi. C'est la dernière. Viens avec moi, Rose. Voilà longtemps que nous n'avons pas discuté. En plus, tu veux causer ? Merde. Merci de ton aide, Rose. Rappelons-nous le passé, veux-tu ? Quand je courtisais ta mère, par exemple. Pourquoi pas ? Tu as toujours aimé cette histoire. Alors,
Ça va, le son du jeu, du micro, tout est OP, OK pour vous? Le premier jour, alors que je ramenais les bêtes du pré, j'ai vu une vachère dont le sourire brillait comme le soleil. Elle m'a plu, je lui ai plu. Nous sommes allés dans une réserve pour faire plus ample connaissance. Oh merde, même lui il s'endort. Et ensuite? Quoi? Oh oui, qu'est-ce que je disais? Ah, ta mère et moi dans la réserve. Oui, eh bien... le seigneur est entré et il nous a surpris. Il s'est mis dans une colère noire et a levé sa hache. Alors, comme un verre. Mais ta mère eut l'esprit vif. Maître, ce garçon peut vous rapporter plus de lait que vous ne pouvez en rêver, a-t-elle dit. Comme le seigneur aimait le lait, il a répondu « Apporte-moi ce lait et peut-être me montrerai-je clément. » Nous nous sommes rhabillés et nous avons couru jusqu'à l'enclos. Nous avons traîné les vaches en toute hâte et avons rapporté 2 sous. Le seigneur goûta un peu de lait. Satisfait, il dit à son serviteur de le mettre à l'ombre et déclara « Encore du lait. Tout de suite, maître !» dit ta mère. Et nous sommes sortis en courant. « Comment allons-nous faire ?» lui ai-je dit. « Les pies sont vides. » Voyons, ça n'a pas l'air de le passionner. Hein. Hey, je veux connaître la suite. Merci beaucoup, Yuyu. Oui. Oh, les pies sont vides. Ta mère m'a dit de ne pas faire le nigo. Elle m'a fait faire le tour jusqu'au seau qui était à l'ombre. On va les lui rapporter en disant que ce sont de nouveaux seaux. Et nous avons apporté au maître... Bonsoir, Olsgab, bienvenue à toi. Une fois encore, il fut ravi et en redemanda. Et nous refîmes le tour. Bientôt, le maître eut 10 seaux. Enfin, selon lui. Alors... il nous donna sa bénédiction. Nous allâmes. Ah bah c'est son prénom, Yuyu, hein, vieux paysan. Paysan, c'est son nom de famille, et vieux, c'est son prénom. Un très joli bébé au teint de lait. Nous t'avons appelé Rose, comme l'une des vaches. D'ailleurs, ça me rappelle l'anneau de ta mère. Elle voulait que tu l'aies. Alors, tu devrais le garder, cet anneau. Ouais, on va le garder, parce qu'il nous prend pas... On n'est pas sa fille. Hein. Je ne sais pas quoi dire. Tu devrais le garder en souvenir de mère. Comme tu es gentil. Je te le lèguerai le moment venu. Je dois partir, père. Prends soin de toi. C'est toujours un plaisir de te voir, Rose. Reviens-moi vite. Bon, donc là-haut, il y a un truc. On va les laisser tranquilles, les moutons. Il y a un fort à attaquer là-haut. On m'attaquera à vue par ici.
J'aime bien quand elle saute en l'air comme ça. C'est un de mes coups préférés. Ça et le. Et le lancer de. Le crochet là. Ah lui, il est en train de méditer là. C'est pas la meilleure idée qu'il ait eue. Ne nous laissons pas distraire. Semblait. Ne sauve pas toi. Ah oui quand même. Voilà, ce coup là je kiffe vraiment. J'adore ce jeu. Pas discret discret mais reconnaissez quand même qu'il y a du ski là quand même, on est niveau maximum hein. Mets-toi d'attaquer là parce que l'autre il va tirer sa flèche là. Tu m'emmerdes avec ton arbalète là. Cette vermine n'en a plus. Pas le timing avec les lances. Hein. J'ai complètement perdu le timing là avec les lances. Avec,
Ouais, il est vraiment top, hein. Il est jouissif. Trop facile, mais jouissif. Attaque! Puis ça va être encore plus facile avec les nouvelles aptitudes qui sortent. Le Seigneur pourra rien faire pour toi, mon pauvre. Ah, il y a Jean-Patrick. Cadavre du mec là, allez là. Ouais, pourquoi pas. Tu dis on attaque par derrière. Peu fourbe. La bonne méthode. Rentre chez toi. Arrêtez les mecs, vous faites mal. Hein. Pourquoi tu te sauves? C'est un nerveux, je les aime pas ceux-là. Oh.
Là, il est chaud. Hein. Bon, on a fini par en venir à bout. Bon, toi. Attends, on va s'occuper de l'autre d'abord. Et loin aussi, hein. Allez, 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 attaque, 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 attaque. Elle avait besoin de faire un peu l'exercice et voir. Enfin. Pas, ah, le coup de ramasser une arme au sol et de la balancer sur le mec qui vient sur toi, c'est pareil, c'est excellent ça. Bonsoir Damien, faut viser les points faibles à l'arc, que ça les bloque et tu fais une attaque joystick droit. Ah non, moi je joue pas le joystick, moi j'ai la version pour homme moi de Valhalla sur PC. C'est vrai. Hop là. Alors où est-ce qu'il y en a encore? Mais je me demande si les mecs ils réapparaissent pas en boucle là, parce que bon. Ah toi t'es là-haut toi. Ne cours pas, ne cours pas. Par où on va le prendre? Alors, on peut pas escalader ici, c'est pas bien, ils avaient dit qu'on pouvait escalader partout. Hey.
reste ou c'est bon, bah, tranquille. Non, bah, je crois qu'on est tranquille. Alors par contre, il y a des trucs à récupérer. Moi ça lag un peu chez moi, donc ça doit laguer un peu sur le stream aussi. Je vais baisser les options graphiques, parce que là normalement je crois que normalement. Bah non, pourtant je suis en élevé, je comprends pas pourquoi ça lag comme ça. Ça va, c'est regardable les amis. Yuyu, tu vas te faire Origins sur PS5, c'est vrai qu'il est excellent moi aussi, j'ai adoré parcourir les. Il doit être en plus beaucoup plus beau sur la. La PS5 bien sûr. Alors là, on peut pas rentrer. Là c'est trop petit ici pour rentrer. Par contre on doit être au bon niveau là. Ah non, c'est encore en dessous. Est-ce que la porte on peut l'ouvrir ici? Je crois pas une seconde. Bah non. Pas un vitrail, quelque chose là qu'on peut péter pour rentrer à l'intérieur. Apparemment avec sur un truc rouge là. Va ma fille. Y a pas un puits ou quelque chose, passage souterrain. Là on est passé partout, là on a fait tout le tour. T'as vu Homéo, là t'aime tellement Valhalla qu'il a adopté le même style capillaire que les Vikings. Oui, à la base c'est plus pour intégrer le groupe ZZ Top, hein. Mais ça marche aussi avec Valhalla, hein, c'est un... Le pire c'est que je crois que dans ma partie à moi je l'ai fait ce truc là. Je me souviens plus comment on rentre. Je me demande si c'est pas. J'ai pas loupé un truc par en haut. Non. C'est caché ici. Ah bah bravo. Oh merde, puis c'est un cul-de-sac à la con. Mmh.
vous souvenez comment on rentre là-dedans, non? Tu veux bien sortir? Y'a personne qui joue à Assassin's Creed ici. Salut Christophe, bienvenue à toi. On peut... Attends, bah, faut que je revienne sur le message de... On peut y entrer que lors... Ah ok, d'accord. Bon, bah, je peux toujours m'en prendre la tête alors. Ça sert à rien. Ok, j'aurais dû y penser. Mais là je comprends pas là, le truc usure, là, affaiblir l'emprise d'Edwin sur machin là, j'arrive pas à le terminer. Viens là, Ablette. Brigitte. On va appeler Brigitte, c'est comme Brigitte est une conne. Non, elle veut pas venir. Hein. Vas-y, te v'là quand même. Ah bah bravo. Donc du coup... Trouver Sigur et lui parler, le mystérieux folk s'intéresse à Sigur. Détenu à Saint-Alban pour hérésie. Donc Saint-Alban. C'est où Saint-Alban? Sur la rive nord de la Great Horse. La rive nord de quel autre, il m'a dit? Great. Great Horse, donc ça va être ici. Ouais, je pense. Attends, il y a peut-être un point de TP, ça ira plus vite. Ouais. Tout le monde a fini là dans le chat, voilà là. Voilà. Ah, plantage. Ce sont des choses qui arrivent. T'as une nouvelle mise à jour et t'as le plantage d'office, hein. C'est ça que c'est beau. Bon, on va le relancer. T'en as plein toi aussi Bah moi j'en ai vraiment de manière très très occasionnelle, j'en ai vraiment pas eu beaucoup des crashs sur Valhalla, mais bon bah là, visiblement, il a décidé de m'embêter ce soir. Il me moude peut-être parce qu'il y a un petit moment que j'ai pas joué avec, donc du coup il me sanctionne. Il
you, Bishop. Present. Also, Sanskrit Volant. Ah bah oui, Yo-Yo, il rigole parce que sur la PS5, ça n'existe pas les plantages. Oui, clairement, ça plante un coup sur deux. Ah oui, carrément, toi, putain, un coup sur deux. Ah, je compatis. Ouais, c'est vrai que quand t'arrives à ce niveau-là, c'est vraiment pénible. Ah, c'est des projects. Hein. Ça fait au moins 2 jours qu'on n'a pas eu de nouvelles de CD Projekt. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, parce qu'on a tous commis l'erreur d'acheter ce jeu très attendu et que on a tous les mêmes problèmes. Et ils travaillent d'arrache-pied, hein, donc normalement ça devrait être résolu avec le second patch de la mort qui devait arriver. Alors, donc sur la rive nord, on a dit. Hop, on a dit qu'on allait stepper parce que c'est un peu loin. C'est quoi ça? Mais non, mais je veux pas faire l'attaque fluviale, qu'est-ce que tu me racontes? Je veux venir ici. Bah non, c'est bon. Hop. Allez, on va voir le frangin. Comme dans Valheim, hein, dès que tu vas dire retour, boum, tu récupères. Valheim, le jeu qui personne n'attendait mais qui est une vraie réussite. Hein. Ouais, pendant que je vous ai sous la main là, le JT du soir, hein, désolé d'arriver un peu en retard. Parce que ça me prend quand on s'appelle 4 heures à peu près en gros à le faire hein. Tous les jours, donc c'est assez long. Puis comme il y a des news qui tombent au fur et à mesure que je suis en train de préparer les news, je prends les plus intéressantes. Près d'un vieux port. Mais est-ce que ça vous plaît? Et là, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que la formule vous plaît? Est-ce que vous vous amusez bien? Eh oh toi, oh, doucement toi. On vient cette charogne. Je veux bien sauter, s'il te plaît. Oh, le coup de latte dans les burnes, il a pas dû apprécier. Ouais, t'es gentil toi. Ah,
Ah, il y en a encore un. Oh, je me suis fait les deux pour le prix d'un. Sympa avec un ton différent, humoristique. Enfin, content que ça vous plaise. Là, je commence à prendre mes marques. J'avais envie de jouer un peu de musique. Donc, hop. Je vais être sur la bonne quête, ça va être ça. Hop, hop. Montre-moi. Voilà, il est dans le coin. Comment la charmer quand nous l'aurons pas? Tu veux dire ce que nous cherchons? Pour rester passif. D'après ce que j'ai appris sur Fulke, elle n'est pas à bas. Voilà, Eivor. Ah, tu tombes à point nommé. Fulke n'est pas loin d'ici. Elle est retenue au monastère de Saint-Alban, au-delà de cette courbe. Notre heure est venue, Eivor. Ceci va tout changer. Je me réjouirais peut-être si je savais qui est cette femme et pourquoi nous avons besoin d'elle. Je me suis assez expliqué. Pour l'instant, place à l'action. Tu n'as rien dit du tout. Tu veux seulement que je te suive aveuglément. Je veux lui parler, moi, ton Jarl. Cette raison devrait te suffire. Mais pourquoi? Pour qu'elle jette un sort et transforme Edwin en crapaud? Fulke n'est pas la seule chose que nous trouverons ici, Eivor. Il y a aussi le trésor de Saint-Alban, d'une valeur considérable. J'ai déjà pillé l'abbaye de Saint-Alban et emporté ses trésors de la crypte à la nef. Je n'y ai vu aucun prisonnier de valeur. Elle est là, je le sais. Et elle est le plus précieux de tous les trésors. Eivor, il fut une époque où tu me suivais sans poser de questions. Parce que nous nous faisions confiance. Tu savais alors que je ne t'entraînerais jamais dans une folie. Et que je n'engagerais pas nos vies sans avoir mesuré les risques. Est-ce que quelque chose t'empêche de m'accorder encore un tel crédit? En tant que frère, en tant que parent. Sigurd, tu sais que je ne trahirai jamais ta confiance en moi. Je combattrai à tes côtés. Mais cette quête ne peut durer éternellement. Gedrich compte sur nous. Naturellement. Et nous l'aiderons bientôt. Viens. Quand tu as attaqué Saint-Alban, tu es sûr de n'avoir rien vu? Ni crypte, ni prisonnier? Non, je ne me rappelle rien de tout cela. Oh pardon, excuse-moi, le pauvre. Alors, ah merde, j'ai pas assez de trucs, il doit y avoir une... Non, il y a même pas un petit... Petite cruche rouge, hein. Merde, ça m'arrange pas. C'est bizarre parce que normalement quand t'as un truc comme ça, t'as toujours une petite cruche qui est pas loin. Parce que là je peux pas le faire exploser, j'ai pas assez de... Parce que sinon je vais mentir explosif, mais .
Message de départ, les Danois pillent cette région depuis l'époque de mon grand-père. Mon père est mort lors de l'une de leurs attaques comme mon frère. J'ai nulle envie de devenir un martyr, alors je pars pour m'installer sur une côte paisible, dans une masure, au bord d'un champ. Cela suffira largement. Pas bête le mec, hein. Bon bah c'est pas grave, on reviendra plus tard ici. Alors, Folk est retenu dans la crypte du monastère. Donc, crypte qui est à 1300 mètres là-bas. Ça fait loin, on va se taper. Oui. Ah non, c'est bon, ça le fait, ça passe. M'emmerde l'autre avec afficher la quête de proximité. Hein. J'ai pris ici, y a rien. Passer inaperçu ici. C'est vrai? Oh merde! C'est pas mon genre! Ah!
ça fait mal. Oh oui, ça fait mal. Viens là, mec, oui. Oh, j'ai plus les timings. Hein. Voilà, là c'est bon. On se fait arrêter, trop tôt. Dans ce sanctuaire. Ton sanctuaire pue la pisse et les larmes de sel. Comment oses-tu ? Nous sommes venus chercher la femme, Fulke. Inutile qu'elle vous embarrasse plus longtemps. La folle hérétique ? Ah, l'esprit de l'autogène a envoyé un ange me délivrer. Ouvre la porte. Ouais, moi aussi, ouais. Homéopathique, ouais. Être puni. Bah ouais, c'est vrai que je me suis cru dans C3, quoi. Mais par de vrais chrétiens. Tu es prêt à te battre? Non, on va le convaincre, c'est un prêtre. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Je le défonce, le prêtre, ou je le paye, ou... Dites-moi, je m'en fous, moi. Cure-t-on, pas cure-t-on? Salaud. Ah, je vous attends, je sais qu'il y a une certaine latence, mais le sort de ce moine est entre vos mains. Tue-le, ok, pas de problème. Choisis, chrétien, écarte-toi ou bats-toi. Si nous devons en venir là, mon seigneur me protégera, et je suis assuré de ma récompense. Ah bah tu vas voir que Dieu, il va te venir en aide, oui. Ah bah il a pas assez prié, lui, hein, c'est... Ah, pilote, il l'a achevé là, l'assassin là. Attends, il me gêne là. T'es méchant, Youyou, hein. T'as un problème avec le clergé. Sois loué, seigneur du trésor de lumière. Ah merde, on a récupéré Jeanne d'Arc. Êtes-vous envoyé par les anges de sa classe ou par le démiurge autogène supérieur? Je. Moi je l'ai payé, lui ai mis une flèche dans le dos quand il est parti. Oh, toi t'es un tordu homéopathique. J'adore les tordus. Tu collectes les artefacts? Les instruments des enfants de Sakla le Fou. Oui. Je possède de nombreuses curiosités de ce genre. Détiens-tu une pierre polie, marquée de symboles inhabituels? Je te trouve bien étrange. Un capuchon, une tenue cachant une peau foncée. Cette lame démoniaque. Pourquoi est-ce qu'on traîne ici? Des soldats vont venir. Derrière le monastère, il y a des écuries où nous pourrons parler en paix. Nous te suivons. Venez. Voilà, bien, je suis au regret de vous informer que c'est l'heure de la pause pipi, de la pause ricorée. Donc je vais vous mettre l'écran de pause pipi. Non, ça va démarrer, c'est pas bon ça. C'est, voilà, ça c'est la pause pipi ricorée qui va très prochainement changer. Et puis d'ailleurs, l'intro des lives va changer aussi parce que je vais faire quelque chose d'un peu plus... sympa, j'ai envie de dire. Par contre, l'écran du live, à proprement parler, ne devrait pas changer. J'en profite également, puisque vous êtes là, et que je vous demande dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez, mais vous ne le faites pas! Vous ne le faites pas! Alors, certains le font, mais vous ne le faites pas tous. Donc, je voudrais juste savoir si le fait, comment ça s'appelle, là, de vous préparer des programmes qui sont quand même beaucoup plus soignés, beaucoup plus, entre guillemets, professionnels en termes de présentation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes client de ça? Parce que moi, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'expliquerai prochainement que, je vais pas dire que la chaîne va devenir payante, parce que c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de programmes qui seront surtout en exclusivité et assez longues pour les gens qui sont membres soutien. Parce que, ça me prend énormément de temps. J'ai dû investir aussi beaucoup d'argent pour ces visuels, pour ça, etc. Alors, je sais qu'on n'aime pas qu'on parle d'argent en permanence,
Mais moi, c'est quand même le souci principal, c'est que je pourrais pas continuer très longtemps à dépenser des sommes voilà, dans des choses qui font que voilà, on a quelque chose d'un peu plus qualitatif, si derrière, il n'y a pas de rentrée d'argent. Voilà, pour être clair. Je sais qu'on évite de me poser la question... Enfin, on me dit d'éviter de poser ce genre de questions parce que bon, ben, voilà. Mais bon, moi j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez bien là que, comment s'appelle, la chaîne part sur une nouvelle direction et une orientation plus professionnelle qu'avant. Et qui dit professionnel dit forcément, voilà, tu vas pas faire réparer ta voiture au garage sans payer la facture à la fin. Donc, qu'est-ce que vous en pensez-il ? Je vous laisse méditer là-dessus pendant que je vais faire mon petit pipi ricoré. Vous mettez ce que vous en pensez dans le chat. Voilà. Voilà. Mais si vous êtes tous, juges pour la forme, puisqu'en fait, voilà, l'idée c'est que ça vous plaise. Alors après, je vous l'ai pas encore dit, mais je vais prochainement, je sais pas, là je suis en train de réfléchir à ça. Je vais, dans les semaines, les mois qui viennent, passer en auto-entrepreneur, déposer ma marque, mettre plus de choses dans des boutiques, machin, etc. Mais évidemment, il y a un risque que je me casse la gueule, parce que si derrière vous n'êtes pas au rendez-vous, entre guillemets, c'est embêtant. Voilà, donc encore une fois, moi je cherche pas à avoir des centaines de milliers d'abonnés, machin, etc. Ce que je veux, c'est des abonnés fidèles, des gens qui vont me soutenir. Alors évidemment, ça passe par l'aspect financier, mais pas seulement, hein, puisque encore une fois, il y a le côté aussi bien à chaque fois mettre des pouces bleus, partager, etc. Alors je sais que c'est pas le lieu et le moment de parler de ça, mais bon, ça me tracassait un petit peu et comme je me donne vraiment beaucoup de mal en ce moment, je voulais. Alors c'est pas qu'avant je faisais rien, c'est pas ça, mais maintenant j'ai les outils, j'investis beaucoup plus, etc. Donc voilà, j'aimerais avoir votre ressenti. Parce que il y a des expériences, où par exemple on prend l'exemple de Jean-Baptiste Chaud qui avait arrêté son travail pendant un moment, etc. Sa communauté lui avait dit ouais, t'inquiète pas, on sera là, etc. Machin compagnie. Et puis finalement, le mec a été obligé de complètement revoir sa chaîne et puis finalement d'être financé par les éditeurs, les développeurs, etc. Donc en fait, tu peux plus vraiment dire ce que tu as envie de dire puisque tu es payé pour dire des choses. Et moi, je voudrais pas en arriver là, quoi.
Je voudrais pouvoir continuer à vous dire ce qu'il en est sur les jeux, etc. Alors, si un jour je peux faire des OPSP, je les ferai, bien sûr. Évidemment, quand ce sera une OPSP, ça sera mentionné. Mais ça, pour ça, il faut qu'il y ait plus de d'abonnés. Mais moi, je pars du principe qu'on peut faire une OPSP en précisant que c'en est une. Et comme vous êtes des gens intelligents, vous savez que dans une OPSP, on dit ce qu'on nous demande de dire. Et ce qui m'empêchera pas, une semaine après, par exemple, de faire une vidéo sur le même jeu en étant là, non pas payé pour dire ce que j'ai envie de dire, mais vous dire ce que je pense véritablement du jeu dont je vous ai parlé dans les termes que l'éditeur, voilà. Mais pour qu'un éditeur s'intéresse à moi et pour qu'un éditeur, me fasse faire des OPSP, je parle des gros éditeurs, hein, pas les petits jeux indés qui de temps en temps viennent et me proposent, voilà, moyennant une clé de faire une vidéo. Ça, je peux pas vivre avec une clé, hein. Du coup, les gros éditeurs, quand ils te demandent ça, tu fais ce qu'ils disent. Mais ce que je voudrais pas, c'est faire après comme tout le monde, être obligé de faire. La communauté derrière était pas au rendez-vous. Elle a pas, tu sais, c'est un peu comme Gamekult. Gamekult, ils sont passés en mode tout payant, on va dire, entre guillemets, mais il n'y a plus que les news, en fait, hein, sur Gamekult. Maintenant, les tests, faut payer à l'unité, ou alors tu t'abonnes au mois, etc. Mais en même temps, ils ont raison, parce qu'ils peuvent garder leur indépendance, ils peuvent continuer à dire, alors après, on est d'accord avec ce qu'ils disent, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais ils peuvent garder leur indépendance, ils peuvent dire ce qu'ils pensent, etc. Alors que, bon, si tu deviens comme jeuxvideo.com, la jeuxvideo.com, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, t'as, je sais pas, 15 news qui sortent, sur 15 news, t'en as 10, c'est les seuls machins, les seuls trucs, les seuls bidules, parce qu'ils ont des liens pour se faire du fric quand vous cliquez dessus, pour quand vous achetez, je sais pas, le disque dur truc, la manette machin, les compagnies, c'est devenu vraiment n'importe quoi, hein, c'est... Donc j'avais besoin d'avoir vraiment votre ressenti, parce que j'ai beau vous demander dans les vidéos, etc., de commenter, de me dire ce qui va pas, me dire c'est bien, c'est une chose, mais ça m'aide pas à progresser. Moi, j'ai besoin de savoir ce qui vous plaît, j'ai besoin de savoir où vous voulez qu'on aille, les types de programmes qui vous intéressent, voilà. Donc quand je serai chef des modos, là on aura une chaîne qui sera totalement opérationnelle. Mais tu peux, on est toujours d'ailleurs à la recherche de modos, hein, si homéopathique ça t'intéresse, hein, n'hésite pas à passer me voir sur Discord et on en discute, hein, c'est pas un souci, hein, voilà. Et j'invite tous ceux évidemment qui ont envie de donner un coup de main autrement qu'en mettant la main sur la carte bancaire et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, voilà. Parce que bon, ils ont compris que, évidemment, l'argent, je m'en sers pour acheter de la drogue, etc. Non, je déconne. Les mecs. Non, voilà. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'avais besoin de vous parler de ça ce soir. C'est ni lieu ni le moment. Je sais bien, mais j'avais besoin de vous en parler parce que c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je me donne à fond sur la chaîne. Là, je pense que j'ai pas trop mal pensé parce que c'est vrai que depuis un an et demi, la chaîne stagnait, ça c'est pas le problème. Mais j'avais une espèce de lassitude et parce que j'arrivais pas à faire en fait ce que je voulais faire. Et là, j'ai pensé les choses d'une certaine façon. Je me donne les moyens de les faire, etc. Mais encore une fois, moi, j'ai pas de thunes, hein, faut pas que vous croyiez, parce que les visuels, tout ça, machin, tout ça, je suis pété de thunes. Non, je me prive sur plein de trucs. Moi, je suis au RSA, hein, il y en a qui le savent, hein, ceux qui ne savent pas, ben, le découvrent. Donc, je me prive sur plein de choses pour pouvoir améliorer la chaîne, etc. Mais je pourrais pas tenir ce rythme-là très longtemps si de votre côté vous me filez pas un coup de main. Et oui, c'est une façon de vous réclamer des dons. Et oui, c'est une façon de vous réclamer de passer membre soutien, etc. Mais après, j'oblige personne. Je vous dis voilà qu'il y en a besoin pour que ça continue comme ça. Après, ceux qui veulent le faire le font. Ceux qui veulent pas le faire ne le font pas. Voilà. Mais après, il y a d'autres moyens, encore une fois, d'aider. Je sais que bon, on s'est tellement fait avoir, hein, en donnant de l'argent à des gens qui avaient l'air d'être des gens bien, puis finalement l'argent il partait à droite, à gauche, n'importe où. Donc ceux qui préfèrent nous filer un coup de main en étant modérateur, écoutez, c'est génial, ça aide aussi et on en a besoin. Ceux qui veulent nous aider d'une autre manière, enfin m'aider d'une autre manière, je dis toujours nous, parce que bon, voilà, il y a quand même des gens autour de moi qui me soutiennent, qui m'aident, etc., et je les inclus dedans. Et donc voilà. Donc on va quand même retourner, hein, sur. Alors avant, je vais aller chercher du lait parce que moi je ne bois pas de l'haricot récent lait. Je reviens et on va retourner, rassurez-vous, hein, sur Assassin's Creed. Et je reviens tout de suite.
Mais oui, vas-y, lance ta chaîne, Mad, n'hésite pas, il y a pas de toute façon, il y a de la place pour tout le monde hein, sur YouTube, hein, c'est pas... Contrairement à ce que les gens pourraient penser, il n'y a pas véritablement de concurrence, puisque c'est pas véritablement sur ce qu'on fait sur la chaîne qui intéresse les gens, c'est la façon dont c'est fait. Voilà, c'est comme... Donc du coup, chacun a sa façon de faire, et la façon de faire, la mienne, par exemple, va plaire à certains, la façon de quelqu'un d'autre va plaire à quelqu'un d'autre. Il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de... Enfin, moi, j'ai de l'animosité envers personne et tout, chacun... Il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est ça qui est génial, je trouve, moi, avec YouTube. Voilà, donc on y va, c'est reparti. On repasse en mode plein écran. Et voilà, on remet la petite caméra, et donc on part avec Jeanne d'Arc. On va l'appeler Mila, parce qu'elle ressemble quand même à un petit côté Mila Jovovich, je trouve, non, vous trouvez pas? Combien de temps te retiens-t-on? Plusieurs semaines, peut-être un mois. Pour tes prétendues hérésies. Des hérésies, oui. Ah, puis il me faudra un coach, tu sais, marketing, tout ça, parce que je suis nul, pour faire la promo, pour me vendre, je suis nul. Le faux dieu vénéré par... Ah, attention, je parle pas de prostitution, hein. Même si youtubeur, c'est un petit peu... Non, je déconne. En Angleterre, Dame Edwin les dit blasphématoires, mise à l'esprit en brume. Mais tu veux pas qu'on prenne un cheval si on va loin, là? Ah non, c'est bon, on est arrivé. J'en ai assez de ces mystères, Sigurd. Mais c'est parfait, c'est homéopathique, c'est super gentil, j'ai pas pensé à en parler, et ça c'est pareil, ça aide vraiment beaucoup. L'un d'eux pourrait me révéler ma vraie nature. Ta vraie nature? Mais tu as parlé de victoire, de triompher d'Edwin. Et je tiens vraiment à t'en remercier vraiment beaucoup, homéopathique, parce que c'est vrai que ça... C'est encore une autre façon, ça aide. Cela me donnerait autorité sur ces terres. Des origines divines. Par l'œil d'Odin, mais qu'est-ce que tu racontes? Fulke, nous avons appris que tu possédais une pierre profane avec d'étranges inscriptions et l'image d'un arbre. En effet, je lui ai donné le nom de pierre de saga, car elle est arrivée ici avec le Danois Ragnar Lodbrok. La détiens-tu? C'est le soleil et la lune de tous mes objets sacrés. Tous ces secrets pour une pierre gravée, Sigurd. Jusqu'où iras-tu lorsque tu auras un véritable mystère à dissimuler? Eh bien, peut-être devrais-je vous laisser régler vos différends tous les trois. Nous sommes unis. Nous souhaitons seulement voir la pierre et lire les runes qui y sont inscrites. Personne n'est capable de lire ces runes. Elles relèvent d'une langue inconnue et probablement morte depuis longtemps. En ce cas, il n'y a aucun risque à nous les montrer. Aucun, non. Sois loué, ô autogène. Pour avoir envoyé ces trois-là me délivrer de mon châtiment. Aucun dieu murmurant ne m'a conduit ici, Fulke. Je suis venu seul. Tu es venu parce que je te l'ai demandé, Eivor. Ils ont parlé à travers moi. Tes paroles me donnent le vertige, Sigurd. Et vous me fascinez un peu davantage à chaque instant qui passe. J'ai confié la garde de la pierre de saga à mon acolyte. Êtes-vous prêt à aller la voir? Plus tôt on verra ce caillou, mieux ce sera. Allons-y. Aborde cette pierre l'esprit ouvert, Eivor. Tu risques de la trouver plus intéressante que tu ne l'imagines. Ah bah écoute, hein, si c'est vraiment intéressant... Qu'est-ce qui te fascine tant dans cette pierre, Fulke? La pierre de saga nous vient d'une antique... Non, Eivor, c'est de l'autre côté. Comme tous les artefacts que je collecte pour mon Jésus. Tu as prié Jésus le Christ dans ta cellule. Ton église n'est pas celle de Rome, comme pour ces Saxons? Ces Saxons croient au Christ rédempteur. Moi, je connais sa vraie fonction. Christ l'éducateur, le détenteur du savoir secret. Et c'est pour cela qu'Edwin te méprise? Pour avoir professé cette idée? Oui. Les chrétiens, comme elle, et comme Elfred, croient que le Christ est venu sur terre pour nous laver de nos péchés. L'église romaine s'est laissée berner... Ok, merci à toi et bon courage pour demain, Yuyu. Passe une bonne soirée, une bonne nuit.
destin du inférieur. Et ça faisait plaisir de te revoir parmi nous. En leur temps, détenu la sagesse, mais ont perdu de vue le vrai dieu, l'autogène, le seigneur du trésor de lumière. C'est pour cela que cette Edwin m'a fait emprisonner. Ce qu'elle appelle hérésie est en réalité la véritable nature de l'univers. Ta saga est bien étrange. On reviendra plus tard ici, il y a un truc à faire. Salut Christophe, bienvenue à toi. Soyez sur vos gardes. On nous observe. Attention. Notre présence déplaît aux villageois. Ils sont sûrement les yeux et les oreilles des deux. Alors elle, on la connaît pas, on lui fait confiance comme ça. Ça se trouve, c'est pas quelqu'un de bien finalement. Une ruine du passé romain de cette île. On acolyte la tribune à l'abandon. Il s'y est réfugié après avoir été chassé par l'évêque pour avoir enseigné les vérités qui lui valent d'être enfermé. C'était un prêtre ? Oui, et il l'est toujours. Les évêques d'Angleterre sont simplement trop lâches et trop obtus pour comprendre le savoir secret que nous détenons. L'endroit a été mis à sac. Ah bah c'est là qu'on est tout à l'heure. Monte la garde dehors. Ceci est l'œuvre d'Edwin. Ah non, pas douter. La pierre est à l'intérieur. J'ai demandé. Ah bah oui, on est venu là tout à l'heure, mais bon, comme la quête n'était pas en cours. Par Dieu. C'est lui, Paul, ton acolyte. Et mon meilleur ami. Bah, va falloir qu'elle se trouve un meilleur ami, hein. Puisses-tu vivre en ne faisant qu'un avec le vrai Dieu, dans le trésor de lumière. Ton ami a payé cher sa loyauté. J'imagine qu'il gardait la pierre. C'est l'œuvre des hommes d'Edwin. Ils ont tué frère Paul et emporté ma pierre. Toi, toujours à poser des questions, à douter de mes choix. Tu nous as retardés et j'ai raté ma chance. Patience, mon frère. Où qu'elle soit, nous trouverons cette pierre. Que tu aies tort ou raison, tu auras ta réponse. Je connais déjà la réponse, Eivor. Je l'ai vue dans mes rêves. Je sais exactement. Assez, tous les deux. Vous entendez ? Des soldats. C'est Edwin. Il y a de la baston dans l'air. Comment pouvez-vous ainsi fouler mes terres, Danois ? Attends, Eivor. Parlons d'abord. Dame Edwin, une pierre a été retirée de cette tour, portant des runes et l'image d'un arbre. La connais-tu ? Ah, merci beaucoup, Christophe. C'est super gentil. Oui. C'est l'un des objets. On a un nouveau membre premium. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. C'est pour elle que vous êtes là. Il fallait pas t'en tirer obligé, hein. C'est pas parce que je disais ça que. Mais c'est super gentil. Par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu d'alerte. Gedrich avait notre parole. Un gros bisou à toi. Vraiment un gros merci. Et alors, nous quitterons à jamais tes terres. Pour la voir. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire de trucs intéressants. Parce que j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire, mais. Voilà, c'est les moyens qui manquent. Nous avons promis, mon frère. Mon frère. Alors, marché conclu ? On accepte. Bien. Non. Sûrement pas. Ah oh bah merde ! Ah Ivor, t'exabuses. Hein. T'aurais pu me demander quand même. J'aurais pu faire le choix de le faire ou pas le faire. Tu as perdu l'esprit ! Bah non, j'ai pas perdu l'esprit, je me suis égaré un instant. Nous avons une autre chance. Oh là, attends, toi tu vas te détendre. Ah,
Faut que je m'attaque au petit d'abord, on fera le gros après. Salut. Il y a des renforts. Ça piétine, hein. Il y a encore des archers. Où est l'autre? Une embuscade devrait être ma dernière attaque. Ah, on a fini. Encore un gros merci, hein, Christophe. Eivor, espèce d'idiote! C'était l'occasion de reprendre la pierre sans verser de sang. Je ne trahirai pas Gedrich. Ce n'est pas à toi d'en décider. Mes promesses sont forgées dans l'honneur, et je les tiens. Ton serment premier est envers ton Jarl, le Jarl Sigurd, ton frère et maître. Toi, j'ai beau respecter les assassins, mais déjà tu vas t'occuper de ce qui te regarde, parce que c'est une histoire de famille et tu vas pas te mêler à ça. Profonde inspiration, coup de poing à Basim. Ah oh ouais, on va le remettre à sa place, le mec. Reste en dehors de ça. Assez. Si on se demandait pourquoi Sigurd commande et pas toi, voici la réponse. Tu t'emportes trop vite, ami des loups. Exige un Holmgang si tu veux régler ce différend avec Basim. Ou alors suis-moi. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. Oh, on peut tuer Basim? Si tu veux ta pierre, c'est là qu'elle sera. La pitoyable armée de Gedrich n'en franchira jamais les murs. Nous aurions pu prendre la pierre avant de monter un siège. Cela a toujours été notre plan, Eivor. Je n'avais nullement l'intention de trahir Gedrich. Cela était ton plan. Mais pourtant, tu as jugé préférable de me laisser deviner tes élucubrations. Tu n'es pas toujours digne de confiance. Tu te laisses déborder par la passion. Je le sais. Mon père le savait. Et ton père le savait. Bon, allez, hein, on a mis une steak à Basim, on va mettre une steak à Sigur. Lui, il a l'air d'être content. Tes mouvements sont dignes de la rage d'Odin, mais... Tu n'as pas sa sagesse. Et cela te mènera à ta parce qu'on est une viking quand même. Hein. Viens, mon ami. Mais non, mais on est une viking, tu vois. Il faut qu'on s'affirme. Le différend qui t'oppose à ton frère est impressionnant. A-t-il toujours été aussi enfiévré? Toute ma vie, nous avons agi ensemble. Comme une vraie fratrie. J'ai toujours su ce qu'il pensait. Et lui aussi. Jusqu'à aujourd'hui. Ma foi, le temps fait de nous tous des idiots. Tu t'es bien battu aujourd'hui, Fulke. Veux-tu combattre à mes côtés? Pour empêcher Edwin de contrôler ce comté? Oui. Gedrich m'a demandé de gêner son approvisionnement. Sais-tu d'où viennent ses vivres et son équipement? À l'est d'Oxenforda, au sud de la villa de Lee, il existe un endroit appelé la Grange d'Eaton, où des marchands commercent avec les soldats. On se retrouve là-bas. J'y serai bientôt. Donc, elle, on a dû se la mettre dans la poche parce qu'elle est... Je suis pas sûr qu'elle était... Sigurd, mon frère, tu es en perdition dans une tempête que tu as créée. Oui, parce que l'autre... Les défenses d'Edwin sont affaiblies. Ouais, mais je peux en faire plus avant de rejoindre... Moi, j'avais frappé Basim, j'ai affaibli les défenses d'Edwin. Je sais pas une embuscade devrait être ma dernière attaque besoin de me avant confier, le début de la bataille.
Bah écoute, Homéopathix, moi je suis parti du principe que c'est vrai qu'apparemment là, notre frangin, il a l'air quand même pas d'être passé à l'ennemi. Hein. Il a l'air quand même de se soucier plus de la cause des assassins que ce pour quoi on est là, quoi, s'occuper de notre peuple, entre guillemets. Ce qui n'empêche pas aussi de s'intéresser à la cause, mais éventuellement de la faire passer au second plan. Alors, féroce embuscade, trouver Fulcur et lui parler. Un marchand cupide apporte des marchandises au château d'Erwin. On va aller voir ça. Donc elle est dans la grange d'Eton, dans l'ouest, alors à l'ouest de d'où on est là, donc par là. Alors l'Eton, c'est où Eton? Putain, ils auraient pas confondu encore l'ouest et l'est. Au sud de la garnison de Villalid. Où est-ce que tu vois une garnison? Toi, par ici, il n'y a pas de garnison. Continue vers le sud-ouest d'un vaste étang. Le sud-ouest d'un vaste étang. L'étang, il est là. Ça doit être ça, le vaste étang, je pense. Parce qu'il n'y en a pas d'autre par ici. Pas dans Oxen machin. Ça c'est le château machin où on était tout à l'heure. Sud de la gare, dans la villa de Lyon. Bon, je vois pas le lieu dont il me parle, donc on va partir par ici. C'est peut-être caché par là, je sais pas. Ou alors ils se sont plantés dans le... dans l'ouest. Plutôt par là. Alors. De finir par devenir un templier avec ses choix. Non. Ah, c'est là que commence à y avoir des désaccords entre... Eivor et Sigurd. Il y a quelque chose ici à faire. Apparemment pas. C'est curieux parce qu'il me disait d'aller vers l'étang. J'ai pas l'impression que j'aille dans la bonne direction. Hein. On va peut-être aller par là finalement. L'accès à cet endroit est interdit. Oui, mais de toute façon, c'est pas là qu'on va. Donc. Après, il disait d'aller au sud-ouest. Hein. Sud-ouest, c'est par là. Yeah.
Je vais pas te laisser emmerder par un petit... Montre-moi ces terres, mon ami. Ça, ça ressemble pas à une grange. On va aller voir, mais... là pour rien. Tu vas pas monter là-dessus hein? Il y a encore une planche de bois derrière. Je sens mes forces revenir. Ce qu'il y avait à faire. Ah non, il y a un truc là-haut. Parce qu'elle suspend rien du tout. Non, il faut que je fasse de la place, c'est ça, ça c'est gênant.
fait, il veut pas monter. Ah ouais, il y a encore un truc qui bloque. Amélioration, une nouvelle capacité. Amélioration. Bon, c'est pas par ici. Qui est à côté. Dans Odyssée, pour l'ordre, on pouvait en assassiner des cibles par hasard, il me semble. Que c'était... Si, on peut le faire dans celui-là. Moi, ça m'est arrivé de tuer des cibles complètement accidentellement. Une autre Danoise qui a les mains rouges de sang. Dieu te punira, Ayen. Il est où le mec qui cause là? Cette tombe a été ouverte. On dirait que quelqu'un y habite. Guide-moi, Sinine. Ouais, je peux pas passer là-dedans, ça c'est... C'est par ici, forcément. Quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? J'aimerais bien voir ce qui bloque. Ok, on peut pas voir. Il y a une autre entrée. C'est tout ce qui bloquait ? Bah merde alors. Alors, je me souviens de l'abbaye de Chertsey, du péché mortel comme il abat. Bah, je sais pas de quoi tu parles, je sais même pas où t'es. Adieu et aux nombreux martyrs. Os et tendons. Bon, ça va, c'est bon. Dents et ongles. Bon, attends, on verra ça après. Il est où le con là? Autant de branches mortes. Je vois encore le regard voilé de mon sommeil. Tous enterrés, mes amis, mes compagnons. C'est un bug ou quoi? Tu te
souviens de l'abbaye de Chelsea, du péché mortel comme il là-bas. On dit que c'est au-dessus. Mais il est où le mec ? Quoi que tu aies pu endurer, te voilà, toi. Je n'y suis pour rien. Ta soif de vengeance t'a conduit ici. Repose en paix. Je m'attendais à un mec un peu plus... J'ai rien pané, pourquoi le mec il en avait après nous, bon, apparemment il aime pas les Vikings, pas les Danois. Comment veux-tu que je sois heureuse alors que je ne verrai que le visage le reste de ma vie? Ah, un problème de couple. Je l'aimais mon visage. C'est vrai. Voilà pourquoi j'en veux une autre version. Plus petite et plus douce. Pourquoi vous disputez-vous ? Parce que mon mari a autant de courage qu'une belette. Moi, je veux simplement un enfant. Je ne vois pas comment je pourrais t'y aider. Il existe un rocher, un lieu de grand pouvoir. On dit que toutes les femmes qui passent la nuit là-bas en reviennent enceintes. D'un rocher ? Du pouvoir de fertilité et de l'énergie qu'il recèle. Il faut que j'y aille. Tu veux bien m'y escorter ? Bah écoute, avec plaisir ma chérie. Toutes les femmes que je connais qui sont allées voir ce rocher sont revenues enceintes. C'est un miracle. Et ce n'est pas une croyance chrétienne, je suppose. Monte, monte. Éostre, la déesse du printemps, y a transformé un oiseau en ave. Elle aurait ensuite pondu des œufs de couleur pour la fête de la déesse. C'est lourd. Tiens-toi à l'abri. Je vais m'occuper de toi. Ça va, c'est bon, il est mort. Hein. Plus s'énerve, plus s'énerve. Bon, on est bien sur River, la nuit des loups. Hein. C'est Mon idiot de mari avait peut-être raison. On le dit ensuite. Ils nous sont redoutables. Regardez l'histoire naturelle. Ta 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 ta. Ce soir, la chasse au loup. Bon, de toute façon, il peut forcément y avoir un coït, hein, sinon il ne peut pas y avoir de bébé. Alors avec. C'est un lieu de grande magie. Avec quoi va coïter elle là? Grande Éostre, étends ta bénédiction sur moi. Accorde-moi ce que je désire. C'est pas ta bénédiction qui va étendre, hein, je pense, mais bon... Un enfant. Éostre exaucera ton souhait par l'accomplissement... Ah bah voilà, il y a le Canadonova du coin qui arrive. Cherchez-vous toutes les deux le secours de la déesse. Cette femme est là pour bénéficier de la magie du rocher de fertilité. Ce sera le cas. Toutes repartent comblées. Quoi que je doive faire, et quel que soit le temps que cela prendra, je suis prête. Oh bah merde, elle va se faire... t'as un mari Beaucoup de femmes ont vu leur plus grand désir exaucé. Oh, l'autre, elle le suit, l'autre, il va la prendre contre un arbre. Pardon, excuse-moi, mais... Bon, nous, on va jouer les voyeurs, hein. Il n'y a pas juste lui murmurer des trucs quand même à l'oreille, ici. On dirait, on est chez Ubisoft, hein. Et il était à celle-là soirée.
Apparemment, on peut se casser, on a fini, mais j'aurais bien voulu voir ce qui se passe, quoi. Apparemment, le mec, il va passer son temps à lui causer, ou alors on l'embarrasse. On va se casser, hein. De toute façon, il s'occupe de tout le gars là, il gère. Plus aucun homme du Nord ne sera tué par sa faute. Alors, flèche incendiaire, j'ai ça ou pas ? Mais oui, le feu. Ah, c'est mieux ainsi. La prudence s'impose ici. Pourquoi le poison se dissipe pas après une fois qu'on a viré la malédiction ? De loup. Qui a déjà eu le temps de faire deux fois le tour du globe? Ah non, j'ai jamais pris le temps de ça. Non. Ça ressemble à un mouton, ou plutôt désemparé. Si je ne fais rien, ce mouton va se faire déchiqueter. Non, c'est pas le mouton. Non, je pense pas qu'on puisse le tuer, le mouton. Ah.
Oh, on a le droit au dessous de la nappe, hein, le making of. Voilà, un petit mouton. Ce mouton est-il perdu? Je me demande si son maître est près d'ici. Ouais, est-ce qu'il juste me à côté, suivra si je siffle? Je sais pas. On va siffler, on verra bien. Ça marche. Le mouton me suit quand je siffle. Tu as de la chance que je sois arrivé à temps. Moi non plus, je n'aime pas beaucoup les loups. Mais passez-vous le mouton? C'est bizarre qu'elle dise qu'elle n'aime pas beaucoup les loups pour... Alors qu'elle s'appelle Eivor, la loup des loups. C'est toi qui as perdu un mouton? Il est où le mouton? Te voilà, Felton. C'est la dernière fois que tu t'enfuis. Felton, il s'appelle Felton le mouton. Les cheats sur Acevalala? Non, il n'y a pas de cheats sur. Enfin, je sais pas, je dis ça, je trouve qu'il y en a. Le jeu est déjà suffisamment casual comme ça. J'ai fait tout ça pour que tu abattes cette pauvre bête. Je ne peux guère me permettre de tuer un mouton pour sa viande, mais l'Elderman l'a exigé, alors... Entre nous, cela faisait longtemps que j'attendais l'occasion de tuer cette tête de mule. Fenton a toujours été pénible. Mais tu m'as rendu un fier service, étrangère. Ah bon? Un peu de viande pour ta peine. L'Elderman ne verra pas la différence. Bon, je mangerai du ragoût ce soir. Merci. Bizarre la fin de cette. Oh l'autre, comment on l'a giclé avant de partir. Il est pas content. Bon, nous on s'est un peu éloigné de notre objectif là. C'est ça, homéopathique. Redoubler de prudence par ici. Ça, ça va le payer. Si tu veux sonner la cloche, c'est toi. Mais oui, mais non. Qui a osé? Nous avons l'avantage. Hey,
l'entrée doit être barricadée. Ah, l'autre, il a été où? Il est sorti à travers la porte là où j'ai rêvé. Une attaque avec la lame. Ah oui. Tu seras prêt. Les vers vont te dévorer. L'heure est venue, Vipère. Une amélioration là-haut à récupérer. Non, descends. Non, putain. Pas gentil. Ah, les filles, bonjour. Bon appétit. Allez, les frères, finissons-en.
Tu veux pas d'ici? Ça doit être bloqué depuis l'autre côté. Bien sûr. Comment je fais pour aller péter les trucs en bas là? Ah bah c'est là, je suis con. Enfin, ça c'est pas un scoop, hein, on savait tous. Hein, mais... On n'a pas trouvé ce que je cherchais, la suite là, avec Sigur. Bon, on fera ça le prochain coup. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est vendredi qu'on a rendez-vous à nouveau avec Assassin's Creed Valhalla. Un live qui sera plus long parce que ce soir je l'ai courté un peu parce qu'il faut que je prépare des vidéos pour demain. Allez-vous, à plus le chat, à plus la... Ok, pas de soucis, homéopathique, je passe une bonne nuit et merci à toi d'avoir été présent. Là, moi, je vais me TP à la base. Hop. Je peux pas me TP? Pourquoi tu veux pas que je me TP? Indisponible? Parce que je suis dans une zone de... Oui, voilà, c'est ça. J'aime pas quand je suis dans une zone de... Voilà, donc là, maintenant, on doit pouvoir se TP. Voilà, j'espère que Basile ne va pas trop m'en vouloir d'y avoir mis une steak. Un petit peu, mais bon.
En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable compagnie, une agréable soirée, pardon, en ma compagnie. Ça se fatigue. Et demain, je ne sais plus. Je crois que c'est Immortal Phoenix Rising demain. Je suis pas sûr. Alors, il y aura du retard encore, je pense, hein, sur le JT. La prochaine fois, dans l'annonce des programmes, je mettrai à partir de 18h30 jusqu'à 19h30. Comme ça, on aura une fourchette. Et bon, de toute façon, le JT, c'est tous les soirs, quoi qu'il arrive. Voilà, nous, on va se laisser ici. Je vous remercie encore une fois, comme je vous disais, de votre présence et de votre gentillesse. Je vous donne rendez-vous demain, passez une bonne nuit et à très vite pour d'autres programmes. Allez, bye et prenez soin de vous, des gens qui vous aiment. We are a little crazy.
It starts with one thing.